Merci pour Opese biso ma imanso bongisi biso pona poko na lelo. Kubimi na biso auto zala na kula ba disipli na ba yus. Kulobe temu na biso zala kuputa puta. Kuyoka ma ayo oyo toyoki lelo iboyi. Enza msunga biso. Zwa lokumu zwa nkembo senye. Opambo la pastia na biso. Pastia asosie diaka msatere bande kubasi. Imbali nyanga na biso. Osunga ba oyu ba zui koko sono. Na nzotu pona kukoma wa ba kokite. Tata ozana bango pe bipai bazwami pina ba oy bazana nzela Seigneur osunga bango pote mansu nkolo ezala bele pona ko kumisa yo to bima wana esengo na lobiko na oyo pesibiso Seigneur na tangu na lelo pambola bande kuna biso a travers mo kilimo bimba pote lombi mansu na kombo na baptiste Yesu Kristo amen. Hallelujah. C'est un moment merveilleux pour toi. Amen. Koyoka liloba, amen. C'est un moment merveilleux pour toi. C'est un moment merveilleux pour moi. Si nous nous préparons à rencontrer Jésus, notre roi. Quel moment merveilleux ça sera. C'est un moment merveilleux pour toi. C'est un moment merveilleux pour moi. Si nous nous préparons à rencontrer Jésus, quel moment merveilleux ça sera. Amen. Tout bon de la pona makabo, frère Martin. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions encore pour ce privilège d'être dans la maison de correction. Tu sais pourquoi nous sommes venus, Père, le but principal, la vie éternelle. Incline nos cœurs à l'entière obéissance de ta parole pour que nous puissions la voir. Maintenant, nous voulons donner nos dîmes, nos offrandes en obéissance à ta parole, Père. Agrée tout ce qui sera mis dans les paniers et en retour, bénis-nous, Jéhovah Jireh. Qui prend soin de nous plus que nous-mêmes, donne-nous l'essentiel, physiquement parlant, et que ça soit employé toujours pour l'avancement du royaume des cieux. Nous te demandons tout ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Une couronne, Jésus la donne. Amen. Une couronne, Jésus la donne, Jésus la donne aux soldats de la croix, pour toi, amen, pour moi, pour tous ceux qui combattront en son nom, Jésus donnera cette couronne, une couronne. Jésus la donne de la croix pour toi, pour moi, pour tous ceux qui combattront en son nom. Jésus donnera cette couronne, une couronne, une couronne. Jésus la donne, Jésus la donne. Ô soldat de la croix, pour toi, amen, pour moi, pour tous ceux qui combattront en son nom, Jésus donnera cette couronne, amen. To
Tokomina tango ba requête. Sœur Kabongo asengi Nzambe apambola ba onyonso basunga ki ye na nzoto na molimo na misolo na présence pona liwa oyo ezwaki ndeko na ye. Asengi kolo apambola ba onyonso basala ki yango. A part requête wana na zana msusute. Ou azan a requête, au laxan anzela rotombo la loboko. Na osenga na Jean-Luc Abonde la pona ba requête, pe pona liloba togoyoka. Jean-Luc. Kotombo la loboko, hein, soko zan a requête. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as dit dans ta parole, demandez afin que votre joie soit parfaite. Nous avons élevé nos mains vers toi, Seigneur. En dessous de chaque main, il y a un besoin, Seigneur. Ô Dieu, puisse toi-même exaucer chaque requête qui est en dessous du cœur de tes enfants. Nous te remercions, toi, donateur de souffle de vie. Tu avais donné et tu as retiré. Merci pour cela, Seigneur. Ta fille te remercie pour l'assistance. Et nous savons une seule chose, ô Dieu, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Seigneur, dans le pleur, dans la joie, nous devons être confiants. Être certain de toi, notre Dieu, tu ne nous abandonneras point, Seigneur. En ce soir, nous venons, Seigneur, pour t'écouter. Dispose-nous à entendre ta parole et oint ton Fils qui va nous l'apporter. Te prêcher sans compromis, sans ménager personne, Seigneur. Sois au milieu de nous pour que notre rassemblement ne soit pas vain, Seigneur. Et permets que chacun de nous, au sortir de ces lieux, puisse être béni. Transformé, vivifié par toi, Jésus-Christ. À toi la gloire, notre roi. Bénis Israël, ton peuple, bénis la voix de Dieu. Assiste-nous, Seigneur, à chaque pas que nous mettons, Seigneur, pour que nous puissions rester dans la course. L'ennemi rôde comme un lion, Seigneur, rugissant, cherchant qui dévorer. Mais nous sommes certains que tu es, toi qui es en nous, tu es plus fort que celui qui est dans le monde. Manifeste ta puissance dans ces lieux. Que ta parole pure et sans mélange y soit toujours prêchée jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, notre roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous marchons sur le bon chemin. Amen. Nous marchons sur le bon chemin. Nous marchons sur le bon chemin. Le seul chemin vers la cité de Dieu. Nous marchons sur le bon chemin. Oh oui, nous marchons sur le bon chemin de la parole. Sur le bon chemin. Le seul chemin vers la cité de Dieu. Nous marchons sur le bon chemin. Oh oui, nous marchons. Alléluia. Seigneur vous bénisse. Alléluia. Encore vite, je ne sais pas. C'est mercredi. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, Dieu qui se cache aux yeux de sages, mais qui se révèle aux petits enfants qui veulent apprendre que nous sommes au Dieu. Tu es le Jésus qui s'est mis dans la Odyssée pour accomplir le Père, Malachie chapitre 4,
pour ramener les poux dans de la faim à la vérité de l'âge. Nous sommes ici dimanche, oh Dieu. Nous avons écouté la voix qu'il fallait écouter dans cette date de l'Odyssée. La voix de William Marion Brandt. Le message de l'âge que tu as envoyé pour nous ramener auprès de toi avec un message puissant au Père. Et il nous a tout dit de ta part. Et il nous a averti pour nous dire, quand on verrait ces choses arriver, relevez vos têtes. Car il est peut-être que nous les pensons, Dieu. Et les signes sont devant nous. Aide l'épouse à se mettre à l'abri, c'est-à-dire à s'examiner et chercher le Saint-Esprit, qui est d'ailleurs ta promesse pour nous. C'est ça que nous voulons encore te auprès de toi, oh Dieu, c'est important. Je ne connais du message au Père, je ne connais rien. Écarte-moi de la chair, oh Dieu. Délis cérébral balbissant pour parler à ton peuple, pour que chacun voie où est-ce qu'il est et chercher le Saint-Esprit. Que toutes choses, oh Père, soient sous ton contrôle dès maintenant la fin de la réunion. Car nous avons prié sur nos Jésus-Christ, oh Dieu. Amen. Je vais vous asseoir un tout petit peu. Alléluia. Avant de continuer, Yamboya Kokoba, je voulais vous dire certaines choses. Na lingaki ko lobanabino makambo moke. Avant de commencer notre sujet. Yamboya ko zwa lité anabiso. Dimanche j'étais vraiment très fatigué. Mokolo ya yenga nazalaki penza na lembaki makasi. Un long voyage. Pamba tena salaki mobembo ya molayi. Presque 18 heures. C'est là qu'il y a un gazon, mais il y a un. Alors, aujourd'hui, je me suis quand même remis, pas sa grâce, je me suis quand même remis. Bon, si on a commis mal à moi, na ngoluna ye. Je pense qu'on peut maintenant parler sérieusement. Na zali kolika ete si katoroye koloba makambo na bodindo. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce qu'être un pasteur. Na ebite ce qui vous a dit que ce soit là, et loko oyo ezali ko pabengi mo kengeli. Être un pasteur sur la parole de Dieu, ce n'est pas seulement venir à la chair, prêcher l'évangile. Non. Selon la parole de Dieu, un pasteur c'est un berger. Au service de Dieu. Pour veiller sur les brebis que Dieu a donné. Pour savoir ce que les brebis de Dieu mangent. Alléluia. Il doit se mettre en santé spirituelle. Il nous informe que telle sœur est malade, imaginez-vous. Et on te dit que c'est sérieux. Et il ne reconnaît personne. Mettez-vous à la place d'un pasteur. Il ne faut pas paniquer à ce moment-là. Dites-moi, Seigneur, c'est toi le grand berger. Bon, il y a une brebis dont on me dit qu'elle ne va pas. Donc, il faut présenter ce cas-là devant le grand berger. Alléluia. Un pasteur. Mokengeli. C'est aussi une sentinelle. Azali pe sinzili. Amen. Il veille. Ya azali ko sinzila. S'il y a un danger, soki amoni likama, il avertit les autres. Bongo azali ko kebisa basusu. Je crois que j'ai parlé sur un autre point que j'ai appris. Il y aura une mise à une mise au point. Nakanisi na kotia mokoloto na eloko moko na yokaki. Sur le mariage mixte. Parce que j'ai suivi cette. C'est triste quand même. Dans cette Laodicée, personne n'a
Motomokote ne peut pas coger William Aaron Branham. Akoki ko sembolande ko prophète William Aaron Branham été. Parce que William Branham, pambate William Branham, c'est lui qui nous amène à la Bible. Yende a bemi biso na kati ya Biblia. Alors, nous allons voir quand vous aimez ce sujet. Bongo tamo to kokota na kati ya makambo oyo to komona. Ce que lui nous dit. Loko nini ye alobi na biso. Et si vous créez du message. Bongo soki ozali mondimi ya sango oyo. Ayant en vous le Saint-Esprit. Oyo azali na kati na ye na molimo santo. Vous allez écouter ce que William Branham dit. Koyoka maye William Branham alobi. Sur ce sujet là. Na tina likambo wana. Mais c'est moi je dis une chose. Kasi nazali koloba eloko moko. Qui que vous soyez. Atako ozali nani. Nani? Vous ne pouvez jamais, alors jamais coger mon prophète. Okoki tata atamokete ko sembola mosakoli nangai. Alléluia. Alléluia. Impossible. Et nous verrons bongo to komona comment les gens ont mal placé les choses. Dans le lenge nini bato batie makamo na lenge ya mabe. J'ai entendu dire nayo ki ete de comprendre malobaki. C'est ma femme qui me corrige. Et d'ailleurs moi si n'engagez pas les symboles engagés. Je dis amen. Alobi amen. Et vous l'avez pensé qu'il a dit lui-même. Ah, vous êtes besoin que les mains. Oh, il a alobi et moi. Ils ont placé les choses. Ils ont placé les choses. Donc engagez bango bâtir et le kwangon et le sika et ma bé. On verra tout cela. Donc comment on a nous sauvana. Alléluia. Le pasteur. Ok, Ngeli. C'est le mari de l'église. Azali mobali ya le sambo. C'est lui qui est le député de la vie de l'église, lui qui dépend de la vie de l'église, c'est lui le pasteur. La condima ya l'ensemble. Amen. C'est lui qui répondait devant Dieu. Yende ako sambi sama liboso ya nzambe. Alléluia. Alors, faites-moi confiance. Bongo boza la kondima nangai. Pour ma part. Bona itina o mai matali ngai. Je ne fais que répéter mon prophète. Na kozonga la bobele mosakoli na ngai. C'est là dans chaque circonstance. Na wana na likambo nyonso. Alléluia. Nous débrouillons la parole de Dieu. Totele mapona ko tanga liloba ya Nzambe. Ce soir nous lisons dans Actes chapitre 2. Toko tanga na buku ya misala molongo ya mibale. Depuis le verset 22 à 39. Molongo ya tukumi bale mibale ti na tukumi satu na mibwa. Mais moi, pour gagner du temps, pona ko kenela mbango, je ne prends que 37 à 39. Na tuka ka tukumi satu na sambo. C'était à la Pentecôte. Et là kuna na Pentecôte. Pierre a prêché l'évangile. Petelo ateki sango malamu. Il y avait une foule là-bas qui l'écoutait. Ba tuba dala ki mingi bazale koyoka ye. Quand la parole sort souvent, elle sort devant la foule. Une foule mélangée comme on est ici. Mais quand ça sort, Dieu a un objectif. C'est atteindre ce qui lui appartient. C'est comme un filet qu'on lance dans l'eau. Quand on tire, il y aura les serpents, il y aura des poissons. Vous voulez avoir les poissons. Alors, quand Pierre a prêché, les petits ont entendu la voix de Dieu. La Bible dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Parce que devant la parole de Dieu, un chrétien reconnaît sa part. Pierre dit ceci. Il dit ceci. Après avoir entendu ce discours, donc ceux qui l'écoutaient donc, ils eurent le cœur vivement touché. Vous appelez la parole de Dieu. Donc, de Yosef va te dire le bain d'ambe. Ça te dit rien. C'est que ça comme côté. Il n'y a rien déjà. Il n'y a rien d'abord. Bon, moi, ils allaient côté. C'est l'eau comme côté. C'est n'a côté. Ou bien on prêche. Toi, tant que sous ça ou pas te dire. Tu fais la passe. Yo, le tindia moi le côté mon sous. Là, c'est qu'on s'est fait casser. Oh, on est allé de casser. Ah, ça qu'on s'est fait ouais. Oh, est allé de casser. Mire-toi d'abord. Mitala yo moko na kitala. Ils eurent le cœur touché, vivement touché. Bon, on mettait mon avant moi tout à moi qui m'a cassé. Et ils dirent à Pierre. Pe balobina petelo. Vous êtes apôtres. Pierre, Petelo, ce que tu as dit là, Mayo olobi wana, nous sommes concernés. Et d'ailleurs, quand t'as la biso, nous avons mal fait. To salimabe, une attitude chrétienne. Voilà un des zaléliya mo Christo. Donc, nous sommes perdus. Bongo, et t'as dit cette dobungi, un frère. Dekomibali. Que ferons-nous? Tokosa la boni. Bonne question. Demo tuna malamo. Si la parole te touche, ce qui l'iloba est tout yo,
Si tu es une chrétienne ou un chrétien, so, quand mon demi, moi, si mon demi, se demande qu'est-ce que dois-je faire. Tu na bongo na sala boni. Yo, c'est le pasteur. Et toi, tu te fâches contre le pasteur. Moi, j'ai fait mon travail. J'appellerai Chacha. Noir, noir. Blanc, blanc. Osiliki. Si tu te fâches. Moi, je dis à Dieu merci. J'ai fait mon travail. Alors, Pierre leur dit maintenant. Ok. Comme tu te sens coupable de la parole de Dieu, voici ce qu'il faut faire maintenant. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est ce qu'il dit. Mais quand Jésus parlait là-bas, aller dans tout le monde. Des disciples. Disciples. Pierre est absent. Il était là. Ici il dit. Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Et après cela, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous qui m'écoutez maintenant. Pour vos enfants et pour tous ceux qui sont à Mopulu qui sont au loin, un aussi grand nombre que le Seigneur de Dieu les appellera. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Nous avons vu depuis un certain temps. J'avais demandé au pasteur associé. De mettre la bande sur pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé. Alléluia. C'est très important dans la vie d'un chrétien. Sans le Saint-Esprit, vous n'êtes pas converti. Alléluia. Dans le plan de Dieu, dans le plan de Dieu, nous n'avons que deux peuples. Vous allez quand on a bateau bibalé. On peut afficher ça, le chandelier. Il y a les enfants d'Israël. Vous allez na bana Israël et les nations. Amen. Bon, vous qui parlez les blancs, les noirs, nous verrons les prophètes. On va parler. Alors, il dit ceci. Bon, moi, le biboy. Dieu ne sauve pas les mêmes peuples au même moment. Dambe azaliko biki sabato mabotanyo sumi baliona tango mokote. Pour les enfants d'Israël, bon, abana Israël, il y a un plan à part. Ezali na mikano na bango na kote ndenga na kote na bango. C'est dans les 70 semaines de Daniel. On est dans la haute Italie 70 semaines de Daniel. Il y a une brèche. C'est pour les gens des nations. Cette brèche là, on appelle ça les sept tâches de l'Église. Est-ce qu'on a affiché les chandeliers? Voilà pourquoi je veux que j'ai mon écran ici. Je voulais voir l'écran pour vous montrer ça. Est-ce qu'on peut afficher? Ça vient? Donc, je voulais faire les choses avec des illustrations. Alléluia. Alors, il dit, pour les gens des nations, nous avons les cités de l'Église. Il y a Éphèse. Jusqu'à Alléluia. Souvent, j'ai dit ça de ma part, j'ai dit ça souvent. Souvent, les gens disent, mais ça ne va pas de faire les choses. Il n'y avait que cette étude dans une université. C'est la plus haute université du monde. Maman n'a pas beaucoup étudié. Hein? C'est long ce que nous avons fait comme étude. Nous lui était à la haute étude. Comme collègue. Et bon, c'est collègue, six collègues.
son ami Paul, Paul, Irene, Colomba, dans l'université. Bon, on va dire que la classe est à l'école. Tronc, on va dire que tant qu'après le Cambomoko. Mais il fait à un certain moment. Et bon, on a dit maintenant au Moko. Dieu appelle Paul. Dambe à Bengi Polo. Bon, pour toi, c'est même pour aujourd'hui. A Biponayo et Sidi Ponalelo. Mais voici ta mission. Bon, on a dit que tu as fait pour l'Ephèse. La Tindio Polo qui est dans l'Ephèse. Ils sont restés à 6. Bon, on va dire que tu as fait un seul maintenant. Bon, on va dire que tu as fait un Moko. Madame lui a suivi les cours de Paul jusqu'aux autres. Alléluia. Il connaît plus que les autres. Vous allez le corriger comment? William Branham, vous le corrigez? Et ce n'est pas la folie, ça part. Permettez-moi. Ce n'est pas la folie, ça. S'il vous plaît. Un homme à qui Dieu parlait de bouche à oreille. L'homme à qui Dieu a promis une vaste portée du ciel. Vous voulez le corriger? Il est William Branham. Nous sommes maintenant restés à deux maintenant. Prends la Bible. Cette Bible ici. Biblia. Depuis la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse, il lui a tout montré. Amen. Frères et sœurs, vous êtes un peuple heureux. Ce que nous connaissons nous autres ici, Paul ne connaît pas ça. Paul a évacué en côté. Amen. N'a pas demandé à Paul. Demandez à Paul. Retourne à Paul. Dans Genèse là. Eva mangeait quel type de fruit? Eva a lié qui vous mangez ni. Ce ne sera pas de dire ça. Paul, vous le direz. J'aimerais ce qui s'est passé. Pourquoi Dieu a ouvert Genèse à William Branham? Et il a vu Branham. La chose. Si vous lisez la prédication. Ce qui botangi. Du serpent. Bon, je vais parler avec les centres ouverts. Je vais parler des choses sérieusement. Je ne vais pas mâcher le mot. Il n'y a pas de tabou. Alléluia. Là, quelqu'un après Abraham disparaît sur la chemin du serpent. Arrivé à un paragraphe, il parle des choses. Il explique Jardin d'Eden. Alléluia. Il dit ce qui s'est passé réellement. Amen. Ça, c'est William Branham. Parce que vous dites, frère, écoutez bon. Cet homme-là. Il a essayé dimanche pour nous dire, frère, je vous supplie, ne laissez pas passer moi du Saint-Esprit. Je ne peux pas vous conseiller pour dire, j'ai fait autant d'années dans mon poulou. Cherchez le Saint-Esprit. C'est une promesse. On entend le sujet maintenant. Est-ce qu'on a touché là-bas? On a touché le chandelier? Voilà. Il y a cet âge là-bas. Depuis Éphèse. Outana, Éphèse. À la Odyssée. Kino, la vrai qu'à la Odyssée, on n'a pas mis les noms. Nous savons qui est le messager. C'est William Branham. William Branham. Et pour nous. Et bon, pour la biso. Dis-moi mon poulou. Pour la mon poulou. William Branham, notre absolu. William Branham, il y a des mots. Tu peux tout dire. Attaque au lobby Nini. Tu peux sauter. Attaque au Pungwe. Ma question revient toujours. Bon, on tourne à la zone à Kakaka. Oui, mais sur ce point-ci. Bon, on a mal été dit Kambo Oyo. Qu'est dit William Branham? William Branham, à lobby Nini. Voici mon sujet ce soir. Bon, on a mal été dit. Je vais parler sur le Saint-Esprit. La Colobanatina et à Boli Monsanto. Je peux maintenant afficher mon résumé. Voilà. Ouais. Je parle sur le Saint-Esprit. La Colobanatina, Boli Monsanto. Premièrement, Yayambo. Qu'est-ce que William Branham dit à ce sujet? William Branham, à lobby Nini, Natina et à Boli Monsanto. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Deuxième point, c'est une question. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Alléluia.
Comment vous savez que je ne connais pas? Imagine maman qui met au monde. C'est pas qu'elle a mis au monde. Et j'ai appris à l'époque quand j'étais encore jeune. On nous disait que quand une femme met au monde, quand elle est en travail, parfois elle est à tout le monde. On apprenait ça. Mais une fois qu'elle a accouché, va les sourire. Alléluia. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Une question. Selon ma formulation à moi. Qu'est-ce qui nous donne accès à ces bénis du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Vous savez très bien. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il va dire c'est quoi? Il va nous expliquer. Comment les recevoir? Qu'est-ce que nous acceptons? Amen. Quelles en sont les preuves? Tu as parlé en langue? Tu prêches? Alléluia. On va conclure. Est-ce pas l'imposition des mains? Cette voix, c'est la voix apostolique. Le frère me dit, on va lire ça, il n'a pas fixé une règle dans ce point-là. Alléluia. Avant de continuer, est-ce qu'on peut montrer ça? Il y a une cité où nous allons, frère. Il y a une cité que Dieu prépare pour nous. Ok. Ça, je vais laisser prochainement. Donc, il y a une cité que Dieu prépare pour nous. Tout ce que nous devons faire, c'est nous confirmer ces messages ici. Dieu n'a pas changé. Ce que Dieu exige, c'est vous qu'on fasse sa volonté. Et c'est plutôt ça la mokano na ye. Yes, c'est maintenant de la fin. À l'époque de Moïse, il leur a dit, vous allez quitter maintenant l'Égypte, qui était la servitude. Mais pour avant de sortir, il y a eu des choses qui sont passées. Alléluia. Le Dieu qui a parlé à Moïse, il a mis sur le cœur de Pharaon. Moïse peut dire, mais Seigneur, tu m'as dit qu'il faut sortir. Mais Pharaon reste toujours. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Amen. On ne sait pas les premiers, Qu'est-ce que maintenant me dit aussi le Saint-Esprit? Il dit ceci. Dans la vie de la vie d'un chrétien, nous passons par trois étapes. Tu as dit ça? Je vais te faire l'illustration. Il dit ceci. Attendez, s'il vous plaît, je voulais vous montrer ça, ce que j'ai préparé. Il faut toujours faire la part des choses. Parce qu'il y a que. Ce qui est le grand Zambé, et c'est mon thème. Ce que l'ingi aux anines, les bâtissent. Il appelle ça la justification. Alléluia. Alléluia. Je voulais montrer ça. C'est la justification. Amen. Et ami barré sur quoi? Au matin, il y a les bosso. Matin, escalier, il y a les bosso. Voilà des justifications.
Amen. Il y a mi parce que comme une sanctification kobulisama. Ça s'est fait sur le plan à l'intérieur. La parole entre chaque fois, le besoin côté son côté aux oreilles le ensemble. Ce que Jésus est sika est longoli pour ça la basoum. Alléluia. Deuxième escalier. Amen. Jusqu'à ce que tu n'es pas encore converti, selon le William Branham. Rappelez-vous, il y a Pierre. Même Chénine. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Pierre qui était le disciple de Jésus, hein? Très bouillant là. Et on dit, mais une fois il a aimé Jésus. Alléluia. Je voulais qu'on montre ça en tout cas. J'ai préparé une image. Deux images plutôt. Regardez là. Regardez. Donc, il y a une image. Frère me dit, on nous ramasse dans une poubelle. Dans la basse-cour. Alors, moi, j'ai pris une image là-bas, saleté. Où Dieu nous ramasse, c'est monde ici. Il nous prend dans cette boue-là pour nous laver. Alléluia. Imaginez un verre dans une pocherie. C'est ce que nous étions. Vous et moi. Il faut dire merci au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons de ce monde-là. Il nous a fait grâce. Et deuxième image, c'est sur les escaliers qui montrent ici. Right? Ok. Pourquoi je voulais que j'ai mon écran ici. Bon, c'est bon, on n'a pas encore mis ça. Je voulais avoir un écran pour moi aussi, comme ça je vous montre ça. Voilà. Balobi, moyen de l'image, il y a. Pour mettre l'image là-bas, ils n'ont pas mis ça. Même prochainement, ils vont aller. Donc, je disais ceci. Il dit, nous avons trois matchs dans la vie des chrétiens. Vous avez dit que vous avez dit que Christ. Il dit c'est la justification. La sanctification. Justification, c'est quoi en lingala? Justification. Bon. Vous avez dit ça. Et c'est quoi? Hein? Copette de la main. Bon. Vous avez dit ça, copette de la main. Et puis le baptême du Saint-Esprit. Comment il explique ça? Vous voyez l'image qu'il y a devant vous? Ils ont trois escaliers. Premier escalier, c'est la justification. Deuxième niveau, c'est la sanctification. Troisième niveau, c'est le baptême du Saint-Esprit. Comment l'explique ça maintenant? Ils ont les. Dans la prédication, na litea, les douleurs de l'enfantement. Passi ya kobota. C'est prêché le 24 janvier 1965. Alléluia. Paragraphe 40. Paragraphe 47. À 49. Ok. Il dit ceci. Alors, oui, boy. Je pense que tout au long de nos âges, la vérité de ceci a été démontrée. Il y a l'eau, et il y a le sang. L'esprit. Il prend le cas de la maman qui accouche. Nous avons la maman qui connaît ça. Nous avons les messieurs qui savent ça. Il dit, la justification, la sanctification, le Saint-Esprit. Ça, c'est le type. Amen. Cet homme, c'est un typologue. Et pourtant, il n'a pas été à l'université que nous avons fait. Donc, lui était à l'université du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je vais vous poser une question. Alléluia.
Ça, c'est William Branham. On a dit William Branham. Dieu le lui a montré. On a été Nzambe à Talisa qui est Yango. Amen. Il ne faut pas corriger mon prophète. D'accord. Et c'est égalité que le symbole mon sacole Nangaï. S'il dit, je vais lire ça prochainement. Dieu nous a fait comme nous sommes. Restons comme ça. Ne nous mélangeons pas. Les noirs que nous sommes, nous avons des valeurs que les blancs n'ont pas. De valeurs. Que les blancs n'ont pas. Je faisais l'effet à sa fois parce que ça me. Quand je suis aux États-Unis, en 2005, on était avec mon beau-père. Ma belle sœur que vous connaissez, Gloria. Dans la Jeep de mon beau-père. Dans une station pour acheter le carburant. Papa Bokilo, tout d'abord, nous sommes essence. C'est ce que nous avons vu. Oui, mais le côté moi, je n'ai pas vu. Moi, je n'ai pas encore vu. C'est ma belle sœur Gloria. Ils ont dit de ce mec dans la Gloria. Elle regarde. Atali. Qu'est-ce qu'elle voit? Il y a mon nini. Une dame. A mon moi, c'est mon corps. En tenue d'Adam. T'as dit non. Elle était habillée en soutien et sous-vêtements. Moi, c'est mon cas, là, tu as un soutien, puis tout bêtement. Bon, là, il dit, frère Jean. Alors, il dit, frère Jean. Je regarde. Là, il a Tali. Pasteur Atali. Il dit, pasteur Atali. Eh, pasteur Atali. Le pasteur a regardé. Vous allez dire, je vais dire à ma grande soeur. Mon père aussi a regardé. On ne savait pas, c'était quoi. Mon père aussi avait regardé. Je me suis retourné. J'ai dit ce qu'il a vu. Tali, donc on en soutien. Il y a moi si on a laissé ta qu'un soutien dans. Et pomper le carburant dans la voiture. Bon, il y a d'aller cotier carburant dans quatre à moto canaille. Dengewana. Faut comprendre ça. En 2005. Pourquoi que ce soit là, le camion Dengewana? Est-ce qu'un noir peut faire ça, un noir? Moto moyen d'après vous, ça n'a pas comme le Dengewana. Est-ce que c'est possible ça? Les gens passent, ça change de sens. Et ne dit rien. Elle est là. Les mondes à l'enfer. Mais vous et moi, on a eu la grâce. Frère, soyez l'un de ces choses-là. Si du moins il a parlé à votre cœur, pour vous, vous avez une loi maintenant. Ce n'est même pas, on ne vous force même pas. C'est une vie normale. Justification. Sanctification et le remplissage. Cela n'est pas l'exemple d'un verre qu'on ramasse dans un dans la basse-cour. La poule dans un basse-cour. Ou dans une pocherie. Imaginez un peu. Faites-moi bien idée de la pocherie. Ou bien. Derrière nous, ici, si devant nous. Ici, c'est la désordre. Ramassez un verre là-bas. Et que ne vous accorde pas. Et mettez l'eau vive. Vous allez boire. C'est ce que Dieu a fait de nous. Vous et moi. Nous sommes dans ce monde d'abord. Pécheurs. C'est déjà mal. Dans un monde déjà mal. Amen. On vit en disant des mensonges. J'étais donc tous perdus. Et il a fait qu'il prenne un corps humain. Et c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Venez par Marie. Pour moi, pour que vous et moi puissions comprendre ce message ici. Bon, alléluia. Frère, m'insiste. Il insiste. Il dit, frères et sœurs, ce que j'ai vu là-bas, vous n'avez pas vu ça. Moi, j'ai vu. Qu'est-ce qu'il avait vu? On va en parler prochainement. Cette cité-là, où nous allons. Avant d'y aller, nous devons combattre chaque centimètre.
La vie chrétienne, bon, moi, y a mon Christo, c'est un sacrifice. Et dit, bon, moi, y a ça, là, ce n'est ça, pas une vie de facilité. Et dit, bon, moi, y a peut-être. Alléluia. Frère, peut-être que vous ne comprenez pas certaines choses. Attendez que ce soit devant des épreuves. Vous êtes là, tant que vous avez mis un katano. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas facile. Et vous allez peut-être. Je veux dire ici qu'il y a un frère. Pourquoi vous avez mis un katano? Vous avez mis un katano? Vous avez mis un. Il a été devant une situation difficile. Amen. Je dis, mais que faire maintenant? Vous, quand ça vous arrive, la maladie, vous allez voir les féticheurs. Alléluia. Vous étonnez. Bon, qui s'appelle féticheur? Bon, vous êtes malade. Voir quelqu'un comme vous fait des fétiches pour vous guérir. Allez à l'hôpital. L'hôpital. Venez, on va prier pour vous. Si vous avez la foi. Alléluia. Et les gens commencent à les rabasser la prière de la maladie pour prier. Il n'y a que les passés qui peuvent les malades. Non. Ceux qui vont croire, la guérison est basée sur la foi. Pas celui qui prie pour vous. Et vous qui priez pour les malades aussi. Que votre vie soit correcte. Sinon, ne pas sur votre prière. Dambe akoyamba libonde lina yote. William Branham a fait ça. William Branham a salé qui ango. Dossier de taxes. On appelle, téléphone sonne. Et devant son fils Joseph. Dites que je te dis que je suis pas là. Joseph regarde. Joseph, faites attention, nous faisons. Les enfants nous observent. Deuxième fois. Scandale. William Branham, l'ami de Dieu. Alléluia. À qui Dieu parlait comme ça? Qu'est-ce que tu veux? L'écureuil. Où? Wapi. Là-bas. Una. Et là-bas. Alléluia. Oh non, frère. C'est pas ça me donne la joie. De parler de William Branham. William Branham. Dans cet âge. Cet homme-là, nous le verrons. Hein. Il sera heureux. Il va nous amener à Christ. Christ, regarde les fruits de mon ministère. Ça, c'est une partie qui vient de Moupoulou. Là, il y avait la saleté. Il venait toujours l'écouter. Quand ils allaient là-bas, on leur répétait que moi, j'allais la faire. Et aussi, ils saignaient là-dedans. Maintenant, ils sont là. Les voici maintenant. Alléluia. Amen. On va les voir bientôt là. Donc comment on a moqué. Amen. Ou bien si Dieu m'appelle aujourd'hui. Bon, on sait qu'il y a des. Je vois mon frère Kalamba. Je vais dire à William Branham. C'était mon associé. Yes, alléluia. Oh, nous verrons bientôt. N'oubliez pas. C'est... Ce qui se passe là-bas en Ukraine, ce n'est que le début des douleurs. Parce qu'après ce sujet, je vais parler sur la douleur de l'enfantement. Je prendrai ce qu'on aspect spirituel. Pour vous montrer à quel niveau nous trouvons aujourd'hui. Pour que chacun fasse un effort. Chercher le Saint-Esprit. Les temps sont mauvais, mes frères. Arrêtez le commérage. Arrêtez les calomnies. Arrêtez la haine. Arrêtez la médisance. Cherchez la face du Seigneur. Il vient bientôt. C'est moi dans lequel nous vivons. N'est pas au courant. Même pas si,
Même pas FBI. Même pas ANR. Même pas Moussad. Mais vous et moi, nous savons. Quand on voit ceci, bientôt nous allons partir. L'homme sait que c'est le signe du temps. Quand il voit quand c'est noir là-bas, bientôt il va pleuvoir. C'est spirituel, on ne voit pas ça. De l'autre côté là-bas, nous vivons. Vers le mois d'octobre, les oiseaux migratoires commencent à voler. Pourquoi? La neige va venir bientôt. Ils voient un danger. Mais vous et moi, faire l'image de Dieu, bien averti par les prophètes. Quand vous verrez ça, soyez prêts. Mais on est distrait dans les futilités. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a le frère. D'accord, on va dire. Lignons les uns pour les autres. Ne parlez pas les mal des uns. Bolo bama ben atina bama kope ba susu. Si tu as quelque chose, c'est un frère. Soko yoki ni kambo songo na tina ende komo bali correct. Oye zani mabe. Si tu es vraiment chrétien. Soko zani solo mo Christo. C'est en vous. Achetez vous. Tiens ma bolo mona se. Seigneur. Kolo. Ce n'est pas mon frère. Ce n'est pas ma soeur. C'est l'ennemi qui fait ça. Mais intervient, Seigneur. Je regarde ma soeur, mon frère, sous ton sang. Alléluia. Les trois étapes. Et voilà comment ça se passe. Quand une femme, ou quoi que ce soit, éprouve les douleurs de l'enfantement, la première chose qui arrive, c'est la rupture de la poche des os. C'est ça, Maman Lupa, c'est ça? C'est le médecin? Alléluia. La poche des os se déchire. Ça, c'est dans une naissance normale. Si c'était à la maison, ça se passe. Il y a une chance. La deuxième chose qui arrive, c'est le sang. Amen. Puis vient la vie. Amen. La vie ne vient pas avec le l'eau. Non. Même pas le sang. On n'a pas encore vu le bébé. Alléluia. Même si le bébé naissait, même s'il est né. Attaque au moins mon cœur, au tamis. Il semble qu'on le fait, non? Et c'est un pour bétailler. N'est-ce pas? Bon côté. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, aux deux premières étapes, il y a moins d'un qui est dans la bite de l'île. Justification. Sanctification. Tu n'es pas encore converti. Maintenant, que chacun me s'égale. Où est-ce que vous êtes là? Vous êtes à quel niveau? Premier niveau, justification. Deuxième niveau. Vous êtes entré déjà. Voilà, il y a une porte qui. Il y a une porte qui arrive. On peut afficher ça, on peut montrer ça. Vous entrez maintenant quelque part. Où vous entrez maintenant? Dans le royaume de Dieu. Pas dans l'église. Ici, nous venons comme une foule mélangée. Chacun écoute la parole de Dieu. Laissez-moi ce besoin, recevez la parole de Dieu. Parce que, n'oubliez pas ceci. Là, nous sommes là, il y a toutes trois catégories. Les croyants, les semi-croyants, les incrédules. On ne peut pas changer ça. Jusqu'à son retour, il va faire le tri lui-même.
Bimisa, Yemoko. Où êtes-vous? Yo, Ozali, de quel côté? Chacun devant sa conscience. On a la preuve comme Dieu comme un miroir. Où est-ce que vous en êtes? Combien de fois vous priez par jour? Avant de venir ici. Combien de fois vous avez prié? Combien de fois vous avez la parole de Dieu? Lisez la parole de Dieu. Vous ne lisez pas. Vous ne priez pas assez. Mais vous voyez ce que Jean va vous prêcher les messages. Je ferai mon devoir. Vous-même, il faut manger chaque fois. Si c'est qu'on ne mange pas, il sera faible. Idem pour l'âme. Alors pourquoi chaque fois les gens branchent toujours? Lisez le message. Priez beaucoup. Amen. L'ennemi rôde. Alléluia. Dieu vous dit, faites attention. Les loups rôdent. Vous voulez être à l'abri. Chaque fois, sur la face du Seigneur. Seigneur, il est temps d'aller à l'église. Nous voulons t'écouter, toi nous parler. Enlève Boseka de la chair. Enlève Martin de la chair. Enlève Jean de la chair. Pas au travers de ces hommes-là. Qui est-ce que tu as dit dans cet âge-là? Amen. Et quand vous êtes concentré bien comme ça, Dieu va parler. Et quand Dieu parle, ça touche votre cœur. Vous allez faire les choses correctement. Amen. Sinon, vous ferez 10 ans. Vous êtes membre de Mopoulou. Ozali moto yanganakana Mopoulou. Ok, notre souci à nous. Kamona biso. En tant que pasteur berger, c'est vous amener à Christ. Et Christ est cette parole ici. Et dans cet âge, cette Bible est ouverte. Il n'y a plus de secrets ici. On connaît tout. Alléluia. Mais le septième saut, frère. Oh, oui, Italie, le septième saut. Ah oui, j'ai pas en parler. Bon, bah, Isambo. Permettez-moi. Le septième saut. Bon, bah, Isambo. Là aussi, je vais montrer les images après. Bon, après, dans votre ça a bidili. Alléluia. Il y a eu quoi? Silence de 30 minutes. Et là, on y est, c'est le maquis. Il y a. Mon prophète dit ceci, si c'est point là. On s'accordera le bipoïne. Si j'entre là-bas, je vais sortir. Alléluia. Il dit ceci. Nous savons ce qui en est du septième saut. C'est quoi? C'est la fin de. C'est l'accomplissement des signes de Matthieu 24. C'est Christ qui descend pour nous prendre. Il ne peut pas les dévoiler. Je vis la chose passer devant moi. Je n'ai pas pu les déchiffrer. Qu'est-ce qu'on déchiffre? Déchiffrer. Ni l'heure. Ni les jours. Alléluia. Il dit, Matthieu a dit quoi? Mais Branham a vu ça. Il a vu ça. Devant lui. Il dit, j'ai pris le client. Mais tu sais que je sais. C'est pour bientôt là. Bientôt, c'est depuis trop longtemps. Pour bientôt, nous c'est bientôt. Bon abisso bientôt, calamité, j'ai dit calamité. S'il a dit bientôt, j'ai dit bientôt. Alléluia. Moi, votre frère, je suis esclave du message. Sinon, Gaïn, dès qu'on a bien, on a dit, mon ouf, il y a un sang. Je n'aime pas quand j'entends des choses qui sont correctes. Ça me réforte. Ma cambo, j'ai dit, c'est une beauté. Il y a un peu de kanda. Corrigez mon prophète. C'est un beau, il y a un maintenant, plus que mon prophète. Bon, il y a un peu. Quel excès de zèle. On lui dit à sa femme. Donc, Meda. Si entre toi et entre moi, qu'est-ce qu'on peut faire? Meda dit, tu es mon chéri, non? Oh, Meda, le bio, Zali. Regarde, que j'ai pour toi. J'aimerais Jésus-Christ que toi. Vous venez pour dire. J'aime plus que Jésus. Frère,
des Congolais. Moi qui vous parle. Gaïo n'a zéko le manabino. J'ai pas l'intéressé. Na le bina le baki na solo la qui na moto le baki le kamboyango. J'ai pas l'intéressé. Na le baki na la solo la qui na moto le baki le kamboyango. Solo. Amen. À la fin m'a invité. Dimaye a benga kingai. Dommage, je ne parle pas. Je ne parle pas. Na le bina kingai na kopendete. Soyez jaloux. Je ne sais pas. Pose à la. Et ne que Dieu va vous ouvrir vous n'ajoutez rien. Ne retranchez rien. Tu sais qu'il a dit. De l'autre côté, ils ont dit quoi? Quand ils l'ont vu, dans la vision, tous jeunes. Que j'aime la Christ. Bato ngana même qui na Christ. Parce que message ici. On est là les gens crient. Bato ba za like okanga. Il demande faut manger ici. Bato ne kolia ka awa ici ka awa. Non frère Branham. Habitende ko Branham. On va manger comment? To kolia ndenge ni. Quand toi Branham. Tango yo Branham. Alléluia. Vous ne prenez pas Christ. On peut tali ta biso pa ya Christ. Pas jaumba. Et pas ya jaumba te. Aucun prédicateur. Ata comme tengeli mo côté. Moins encore un évêque. Ata comme muto ba bengi évêque té. D'abord, c'est de l'évêque en question. D'abord, évêque en monani. Mawa. Ne bloque pas ça cadre bloco. Ce sont des choses qui. Alléluia. Évêque. Alléluia. S'il vous plaît, moi ça m'énerve. Gaye pesa na kanda. On me bengi pé évêque. Et malheureusement, malheureusement j'en connais beaucoup. Donc, quand on a dit que beaucoup, beaucoup. Mingi, mingi, mingi. Une fois, je vous dis ici, frère, j'ai tant encore ça qui me fait ça. Je suis à Kinshasa. Ah, mais c'est l'oncle de mon. Jean-Philippe m'appelle. Donc, Jean-Philippe a bien gagné. Pasteur. Abi, pasteur. Oui, oui. Oh, quand son gars, le boy, ok, mon tour, vous avez entendu parler de telle chose, telle autre chose. Il dit, okay. Il a dit ainsi, ici, c'est là. J'ai appelé. Nabengi. À l'époque, il m'a reçu quand même. Je suis présenté. Nous connaissons. J'ai appris ça. Je me suis rencontré pour en parler. Oui, frère. C'était la voix de Dieu. Ok. On va en parler, frère. Bon, on te voit le j'arrive là-bas. Je vais à Yete. Il m'envoie l'associé. Je dis, frère, non. Dans le bien des côtés. Toi, tu n'as pas prêché ça. Yo, tu es qui le camboyant côté. Moi, je l'ai appelé. Il m'a dit, on va causer. Ah, le bien a vu ce que tu as dit. Bon, on est dans le consolana. Alléluia. Je sais, moi. Surveillez-moi. D'abord, que ma vie soit correcte. Et quand je me tiens ici, que je répète les prophètes. Alléluia. Dans tout ce qu'il a dit, à la fin de la course, pour le moment, ça peut vous faire mal. Ça peut vous blesser. Et moi, je vais frapper fort sur chaque point. Alléluia. Je vais frapper. Si vous êtes fatigué de moi, vous me faites asseoir. Je prends le visage chez moi aux États-Unis. Je suis encore là. Sur chaque point, frère. William Branham. On va les consulter ici. Amen. Sur chaque point. Saint-Esprit. Qu'est-ce que lui nous a dit?
Ce qu'il dit, notre absolu. Alléluia. Je vais terminer. C'est le sang. D'abord, il y a l'eau. Il y a la, le sang et l'esprit. C'est qui constitue la naissance naturelle, normale. Karanef. Et c'est pareil dans le monde spirituel. Il y a l'eau. Mai, quand est-ce qu'on parle de ça? C'est quand vous faites baptiser. C'est la justification par la foi. En croyant en Dieu. En le recevant comme votre sauveur personnel. En vous faisant baptiser. Première étape. Amen. Tout le monde doit faire ça. Tout le monde doit faire ça. Là, on est tous d'accord. Bongo, tozali. Maintenant, quand vous passez cette étape-là, bongo, tango yo le ki eteni yo ya yamo. Il ne faut pas s'arrêter là-bas. Je dis à mes deux filles, mes jumelles, qui ont été baptisées dernièrement. Ce n'est pas fini. Just the first step for you guys. Maintenant, je vais expliquer ce que j'explique ici. N'arrêtez pas là-bas la justification. Mais pour un chrétien, Dieu va la mettre au troisième étape. Mais pour les ramassis, ils vont rester là-bas. Amen. Ne vous en faites pas. Qu'il pleuve, qu'il neige, les pousses manifestent. Parce que m'a prêché la prédication. L'union invisible pour de Christ. Elle est ici à Mopoul. Elle est à Kasumbales. Elle est à Tchela. Elle est partout. Il n'y a que Dieu qui est son membre à lui. Nous, en tant que Jésus-Christ de Branham, on ne fait que ce que nous a dit. Les brebis sont partout. Les élus sont partout. Voilà pourquoi je vais dire ceci. Dans cette pourrie ici, l'épouse ne sera jamais séduite. Jamais. Il dit pourquoi? Dieu a mis en elle ce message ici. Si je monte ici, quelque chose de faux, je lis ici le baptême du Père Saint-Esprit. Vous avez réagi? Pourquoi vous avez réagi? C'est un son confus. Ça ne va pas passer. Qu'est-ce qui est plein chez vous? Le message. Alléluia. Je parle avec mon frère, il n'y a pas d'entrée. Là où j'ai pris aux États-Unis, il peut la sentir le matin. Moi, je ne prends pas ça. Mais j'ai pris là-bas. Ça ne serait pas comme la parole de Dieu. Amen. J'ai pris là-bas. Mais pas si c'est le Branham Tabernacle. Donc, on a besoin de sentir la tête de Branham Tabernacle. Alléluia. Parce que je suis mort. Faites ce qu'il a dit. Ne posons pas de questions. Imaginez Moïse devant la mer rouge. Derrière, il y a les... On ne le suit pas les Égyptiens. Dieu lui a dit, tu sors. Il ne lui a pas dit les obstacles devant lui. Nous autres, quand on est devant les obstacles, on dit maïkiti. Notre foi baisse. Un chrétien ne baisse pas les bras.
devant chaque situation. Arrêtez-vous. Seigneur. Colo. C'est devant l'obstacle. Ce n'est pas la franchise sans toi. Viens à mon secours. Dans ce cas-ci. Et Dieu va agir. Moïse regarde. Moi, c'est Atali. Il n'a pas paniqué. J'ai commencé à crier les gens. « Nous t'avons dit Moïse, laisse-nous là-bas. » Voilà maintenant. Que faire maintenant? Vous n'écoutez pas, faut attendez. Là. Dieu. Qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Non. Seigneur. Colo. Tu m'as donné une commission. Yo, pestinga mosala. Regarde derrière moi. Tala si manangai. Naya agi maintenant. Tala si ko mosala na yo. Voilà chrétien. Voilà nde mon dimi. Je dis Moïse. Damba lui Mose. C'est moi qui ai la main rouge. Naïne na kela kimboe ya kuta. Alléluia. Je me rappelle souvent quand on venait souvent dans l'avion là. Tango to dai koya na pepo. Quand vous traversez l'Atlantique. Tango kati simboe ba benga. Il y a beaucoup de trous d'air. Bongo kuna singa mo. Na avion tu vois les gens là-bas. Vous avez peur de la mort. Mais quand on va tuer l'homme, là, moi, je suis tranquille. Il n'y aura rien. Ça, c'est ma foi, moi. Tant que je suis dans cet avion ici, je suis son serviteur. Je vais plus de l'évangile. Rien ne va m'arriver. Mais Moïse. Il ne faut pas trembler. Eh, ils ne comprennent pas ce que je parle. Qu'est-ce qu'un témoin? Un bateau. Je dis Moïse. Non, les enfants d'Israël. Même pas une pirogue. Ozali attend la boîte au thé. C'est la mer rouge. Pour n'avoir sa pirogue. Même pas une vedette. Attaque au boîte. Nous sommes nombreux. Nous t'avons dit Moïse. Nous on peut mangongi. Tu es très têtu. Tu n'écoutes jamais les Oyo gens. Kabato te. Kabato quand même. Yo kabato. Mais quoi tu ressens la bonne? Vous êtes tranquille. Moi c'est avant d'être qui vient. N'ayez pas peur. Au banc à l'autre côté. Qu'il vente. Attaque comme on peut payer ma carte. Tonini. Appelez les grands médecins. Obenga les grands médecins. Appelez les grands conquérants. Bonnéne. Capitaine général en chef. Bon, moi il frappe seulement. Alléluia. Regarde, Moïse, qu'est-ce que tu fais là? Avec ce petit bateau là. Tu veux faire quoi? Faut pas te distraire, mon ami. Moïse dit, hein. Le Dieu qui a créé la mer rouge. Il m'a dit maintenant là. Il m'a parlé il n'y a pas longtemps. Ah, que je frappe seulement. Et bêta, bêta, bêta. Ah, tu en es tellement. Bon, comme tu veux. Bêta. Frappe. Il a frappé. A bêti. Le mur. Bongombo. On formait des gratte-ciel. Kabwani na molai, mon néné. Pour qui? Les enfants d'Israël. Kakapona pana Israël. Alléluia. Mais derrière, il a fait les signes que je suis. Donc, les signes qu'il a créés. Nana kela ki bango. Le même Dieu là. Kakandambe moko wana. Mais ici, il libère ses mains pour Israël. Donc, il y a fungoli kakapona pour Israël. Si vous faites correct. Ceux qui vont m'aider, ils disent Dieu combattra pour vous. Tanga kopunda natina na yo. Ils entrent. Bongo bango bakoti. Traverse à sec. Batamboli na bango. De l'autre côté. Ils regardent. Moi, je leur dis. Moi, c'est avec ici bango. Si vous voyez là-bas. Une révélation. Vous ne verrez plus. Oh, comment ils sont traversés. Oh, nous sommes pas les suivre. Nous ne sommes pas des poussins, nous allons les suivre. Waka. Dieu dit que ça, c'est pour les élus. Allez-y, je te laisse. Ils entrent tous, les derniers soldats entrent. Dieu les ferme. Soldats à Souka, Damba Kandimbu. C'est, il n'a pas changé. Il est le même. Ce qu'il a fait pour Israël. Si dimanche vous le croyez. Il n'a pas changé. Devant une situation. Vous paniquez. Non, Dieu n'est pas encore là. Alléluia. Quand on nous a informé dans le cas de ceux qui étaient malades ici. Ils disent, ils n'ont pas moyen de parler. Ils ne connaissent personne.
Il ne reconnaît personne. Quelqu'un à côté, il ne reconnaît pas c'est qui. Nous sommes à genoux. Seigneur, c'est un brebis. Enfin, vous ne dormez pas. Pas, vous ne dormez pas pour une brebis. Ça fait très mal. Alléluia. Il intervient. Beaucoup vont prier ici. Ah, c'est pour te bien maintenant. Alléluia. Vous dormez encore, une autre sœur, c'est malade. Quand on appelle votre frère, priez, ne dormez pas. Imaginez ces doigts ici, malades. C'est tout le monde qui est malade. Nous sommes membres des autres frères. Quelqu'un est malade, vous ne le visitez pas. Vous ne l'appelez même pas. L'amour a diminué par nous. Ce qui va entrer là-bas, c'est l'amour parfait. Quelqu'un est malade, vous êtes indifférent. Quelqu'un est affamé, même pas un verre du riz. Allez voir la personne. C'est là qu'il dira, quand j'avais faim, j'avais un verre du riz. J'ai manqué un habit. Je m'apportais à l'homme. Alléluia. Soyons chrétiens. Je vais terminer par là. Il dit, Alobi, deuxièmement, na, il y a la sanctification de l'esprit. C'est-à-dire, quand la parole, vous la mangez à la parole de bon, la parole va trouver place pour déraciner le mal. Petit à petit, bon, tu vas voir que tu ne pries pas assez. Tu commences à prier. Tu fumes un peu. Dieu retire ça. Tu buvais un verre. Dieu retire ça. Amen. Je me rappelle qu'il y a un frère que je connais. Il buvait un peu. Et son tuteur ne supportait pas ça. Un jour, quoi le message ici. Son tuteur l'envoie acheter une bouteille de Simba. Le frère dit, je ne touche même pas ça. Je ne touche même pas ça. Le regarde. Toi. Yo. Tous sont dans le péché, tous sont dans le monde. Dieu nous a aidés. Alors l'ami ne comprenait toujours pas. On l'a aidé. Un jour, il avait à l'époque une copine. Alors, la copine dit, mais mon toi, Kimi, c'est l'ennemi. Hein? Il ne va pas vous laisser. Ce monsieur m'a fui. Je ne le vois plus. Dans mon ressuscité. C'est le message chaque fois, les brochures. Faites attention, jeune frère. Si tu as coupé les ponts, coupez pour toujours. Ne blaguez pas. Alors, la jeune fille, en tout cas, je veux la voir. Je vais aller chez eux, comme d'habitude. Elle vient le soir. Elle trouve les frères de lire la brochure. Bonjour. Bonjour. Elle ne répond pas. Concentré à l'écriture. Bonjour. Appelle Mbote. Le frère ne répond pas. Appelle Yanote. C'est qu'elle a fait. Vous avez l'ogni à Sali. Elle est dans la chambre. A Kekuna na Kati à Poupou. Elle fait une mascara. Les frères entrent. La bouche est tombée. A Sali, Kamoboko, de Kamobai Tama Koti Kuna, à Baki Boshir. Alléluia. Faites très attention. L'ennemi sait comment nous avoir.
Tu as quitté le monde. Mettez une croix. Tu as quatre ans. Vos amis là-bas, mettez une croix. Sinon, ils vont t'amener là-bas dans le monde encore. Ce qui était pas battu, vous en avez sous la carte à mon kilo. Les frères, la brochure était en l'air. Voilà, des combats de Juana, brochure à Sia Boka qui est en haut. Frère Jean. Il faut aller du frère Jean. Je ne sais pas, frère. Les brochures. N'allez pas quitter un déco. C'est trop tard. Faites attention. Vous avez un bokebi. On va terminer par ici pour aujourd'hui. On a l'élo. Avec l'introduction que j'ai dit, comme je disais, on va continuer mercredi. Kaka Bokota na Kati a été à Oyo. Laisse-moi j'ai montré. Oh là là, j'ai même perdu la prédication où j'étais. Cela veut dire que. Il dit, imaginez qu'on ramasse un verre dans la basse-cour. Quand il sait qu'aujourd'hui. Il dit, le fait de ramasser les verres, c'est ce qu'il appelle la justification. Vous les prenez avec vous, c'est ce qu'il appelle justification. Vous les mettez là-bas, vous prenez de l'eau, vous lavez maintenant l'extérieur. Dans quel but? Pour l'utiliser. Amen. C'est ce que la parole fait maintenant dans notre cas. On se fait baptiser par l'eau. D'abord, on entend la parole de Dieu. On confesse nos péchés. On se fait baptiser dans l'eau. Maintenant, on vient membre d'une église. Et là, vous allez dans l'église. Chaque fois, on prêche la parole. Plus vous mangez ça, les rouleaux, vous mangez. La brebis, quand elle est rassasiée, les sept fois enlèvent les racines du péché. Jusqu'à ce qu'il voit que maintenant c'est tout éclair, tout est nettoyé, le Saint-Esprit s'installe. Et c'est quoi le Saint-Esprit? C'est la parole de Dieu. C'est ce message. À telle enseigne que, quand quelqu'un dit quelque chose de faux, là ça sonne. Qu'est-ce qui sonne? Il est déjà là. Il surveille tout. On dit que ce qui ne va pas, ce n'est pas ça. Tu voulais dire quoi? C'est qu'il est déjà entré. Dites quelque chose à quelqu'un. Non, je ne veux pas dire ça. Il vous contrôle maintenant. Il vous conduit. Quelqu'un ment. Conscience tranquille. Il n'y a rien. Je demandais toujours. Depuis 95. À Kitona. Il y a des choses passées à Kitona. Les gens n'ont pas encore arrangé ça. On est venu ici. En 2001. Il y a des choses qui sont passées ici. Les gens n'ont jamais arrangé. Continue à prêcher. Je demande. Ce n'est pas possible. Comment voulez-vous que... Conscience tranquille. Il y a eu des mensonges qui ont été dits. Moi, j'ai arrangé ça. Mais le Saint-Esprit en vous, il vous contrôle. Vos propos sont filtrés. Ça n'a pas de vous branchez. L'alarme sonne. Non. Tu n'as pas dit correctement. Ce n'était pas comme ça. Au frère, pardon. Ce n'était pas, c'était à 7h30. Tout, il est là. Amen. Mais vous, conscience, c'est Koufa. Votre conscience est déjà morte. Dites des choses. Quand vous les rappelez. Moi, je n'ai pas dit ça, frère. Voilà pourquoi moi, j'écris. Moi, j'écris. La question, ce que tu as dit, je vais te lire ça. Si tu dis oui, j'ai gardé mon carnet. Prochainement, je te rappelle ça. Tu as dit ça. Si vous gagnez, tu perds ma confiance. Alléluia. Nous sommes en route vers la terre promise. Vers la cité céleste. Où il n'y aura pas d'embouteillage. Il n'y aura pas de catch.
Alléluia. Il n'y a pas de groupe électrogène là-bas. Un groupe électrogène. Le frère me dit, mais... Il dit, il n'en revenait pas. D'abord, mais quand on partait, Fais-moi me rappeler. On me dit, mais il dit, Billy, moi j'ai vu des villas. Ce que je vois là-bas, laisse-moi tranquille. Alléluia. Il dit, ce sont des villas. Il n'y aura pas de locataires. Pas de bills à payer. Vous allez là-bas, vos factures. Mais c'est quelle vie? Vous avez atteint 50 ans. Vous avez commis un boule à 50 ans. 100 ans. Commis à 100 ans. Il n'y en a pas pour le moment, je ne sais pas s'il y en a. Donc, 150 ans. 1000 ans. Nan au bandit, c'est quelle vie? Pas encore commencé à vivre. Pour y aller, voici ce qu'il faut faire. Dans la main, c'est quelque chose là. Examinons nos vies, les uns pour les autres, pour que quand il va appeler, montre ici, chacun entend sa voix, là ça rencontre. Que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter un cantique. Et le pasteur, c'est le pasteur de l'église. Alléluia. Dieu voulait on se voit mercredi et vendredi. On va continuer. Je préfère présenter les choses par les illustrations que j'ai préparées. C'est ma façon de faire les choses. Ça pourra aider les gens. Et pour sous-gabattre. La clique en cantique. De continuer le. Le nom de Jésus avec toi, oh toi, enfant de tristesse, il va te procurer la joie, prends-le partout où tu vas, reste non. Non si doux, espoir de la terre, joie, précieux nom, non si doux, de la terre, joie du ciel. Espoir de la terre, joie du ciel, précieux nom, nom si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Ce n'est pas seulement un cantique que nous chantons, ça. C'est toute une prière. Ça dit tout. Parce qu'en nom de, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Si vous avez révélé que les, noms de, les gens fléchissent devant le nom de Jésus, n'ayez pas peur des démons. Mais ayez plutôt peur du péché. Parce que quand nous péchons volontairement, Dieu se retire. Il n'y a que la repentance qui le ramène à Dieu avec vous. Frère Bost, conduisez l'église par la prière. Vous qui êtes dans les besoins, levez la main pendant qu'on prie. Et il faut que Dieu va répondre.
Prions Dieu. Éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre. Merci pour Amen. Tout ce que tu as fait parmi nous, Seigneur. Puisque tu avais dit là où deux trois sont réunis en mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Le prophète nous a dit, quand Dieu est au milieu de nous, il n'est pas seulement comme un ange spectateur, mais il est au contrôle de tout. Et lui-même contrôle tout pour que son église soit entre ses mains. Tel que tu étais avec nous, Seigneur. Amen. Toi seul contrôle nos cœurs, toi seul contrôle quel message que tu vas nous donner, contrôle tout, et voilà pourquoi nous te remercions. Laisse à ce que quand nous serons en train de sortir, que chacun trouve sa part pour que tu travailles en lui. Il y a des bien-aimés qui ont levé les mains, ceux qui ont des difficultés, qui sont dans des difficultés. Ô Seigneur, nous savons que la réponse est de toi, puisque ce que toi tu fais, c'est parfait, tu fais ce qui est parfait. Seigneur, bénis ton fils qui était devant nous. Que tout ce qui est sorti, tout ce qu'il a sorti, Amen. Seigneur, que tu puisses encore abonder, Seigneur, pour que lorsqu'on va encore nous retrouver, que tu puisses nous parler. Bénis aussi chacun de tes enfants qui a écouté, pour que nous puissions tout le temps être remplis de ton Saint-Esprit. Fais-nous grandir dans ta parole, et non, nous rentrons dans nos maisons. Toi qui nous as amenés en ce lieu, que tu sois, Seigneur, qui va nous ramener, Seigneur, dans nos demeures, pour que nous puissions aller dans ta gloire et que l'honneur et la gloire soient en toi, Seigneur Jésus-Christ. Car c'est dans le nom de Jésus Christ que nous te l'avons demandé. On a fini pour aujourd'hui. Nous retrouvons vendredi, Dieu voulant. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez sortir.